le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous asseoir un peu, merci. Amen. Amen. La semaine passée, elle a été un peu difficile pour moi. J'ai prêché un peu avec une forte grippe. Et le lundi, ça s'est un peu encore compliqué avec la toux. Alors ça m'a beaucoup dérangé. Mais gloire soit rendue au Seigneur, je me porte bien aujourd'hui. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont prié pour moi. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et nous serons très bénis ces jours-ci. Est-ce que nous allons un peu beaucoup recevoir? Est-ce que vous voulez recevoir d'autres serviteurs de Dieu? Hein? Amen. Alors, ça sera un grand privilège pour nous de puiser tout ce que Dieu a mis dans ses serviteurs. Déjà la semaine là, les deux semaines là, la première semaine et la semaine là et la semaine qui vient seront très occupées pour nous. Comme je le disais au pasteur de Kinshasa, qui voulait que je prêche vendredi et dimanche là-bas. Et ça ne sera pas possible parce qu'à l'église ici, on aura des réunions. Je pourrais le faire quand je partirai pour Lubumbashi. Passer un peu de temps à Kinshasa. Prêcher. Et après partir pour Lubumbashi. Amen. Amen. Parce que nous aussi à l'église, on a besoin aussi d'écouter les autres aussi. Hein? C'est pas seulement votre pasteur qui va partir. On a besoin aussi que les autres aussi viennent aussi qu'on écoute. Amen. Amen. Alors il y a déjà le pasteur Alosa qui est arrivé. Il était du Cameroun ici. Il est venu. Je crois qu'aujourd'hui ou demain, il va commencer à prêcher chez le pasteur Sylvain. Et ce qui est vrai, c'est que la semaine prochaine, il sera avec nous ici. Amen. Amen. J'ai écouté un peu les amis du Cameroun me dire vraiment fait surveille le doyen. Amen. Il a cru en 1968. C'est vraiment un doyen. C'est le plus ancien de tous les frères camerounais. C'est lui qui a amené le message au Cameroun. Amen. Amen. Je crois que c'est hier que nous faisons le programme. Et donc, il sera là la semaine prochaine. Et dimanche, c'est le pasteur Gabin qui sera ici. Hein? Je viens à peine de causer avec lui au téléphone. Et il a dit qu'il sera là vendredi soir. Et samedi, on sera ensemble. Et le dimanche, il sera ici.
Et il y aura encore d'autres surprises la semaine prochaine. Hein? Et ça va me permettre aussi de me reposer un peu. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir un grand serviteur de Dieu qui vient de Bandunduville. Le pasteur Wesley. Ah, je l'ai connu à travers le pasteur Franck. Il a prêché chez le pasteur Franck. J'ai voulu aussi que nous aussi nous puissions un peu tirer quelque chose là-dessus. Amen. Alors je crois qu'il sera une grande bénédiction. Alors levons, nous allons prier avant que nous l'appelons. Viens Seigneur Jésus, viens, nous t'attendons. Alléluia, mets la joie dans nos cœurs, par l'Esprit, alléluia. Alléluia, viens Seigneur Jésus, oh viens, viens, oh oui, nous t'attendons, oh oui, alléluia, viens la joie dans nos cœurs. Oh oui, par l'Esprit, alléluia. Notre bien-aimé Père Céleste, c'est un grand privilège pour nous que d'être ici ce soir. Il y a beaucoup d'endroits où nous pouvons y aller. Mais le seul endroit qui nous donne la joie, c'est lorsque nous venons chez toi. Et toi, tu as dit dans ta parole que nous devons toujours avoir une église où nous devons aller. Et tu as dit ne fouillez pas vos assemblées. Parce que tu sais ce que tu nous donnes quand nous sommes assemblés. Père Céleste Jésus, alors que nos cœurs sont en train de soupirer, de recevoir ta parole, nous venons auprès de toi Seigneur, pour te dire viens oindre cette réunion. Laisse que le déplacement de chacun Seigneur ne soit pas vain Père, mais laisse que chaque personne qui est venue ici puisse tirer quelque chose qui vient de toi, et qu'à travers cette réunion Père, que nos âmes puissent vivre encore, parce que tu nous fais vivre par ta parole. Père, nous te remettons cette réunion, nous te confions le prédicateur. Laisse que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit loin de cet endroit au nom de Jésus Christ. Que seul ton esprit Père puisse régner et dominer. Nous te dédions nos vies, nous te dédions nos âmes, nous te dédions ce culte et nous comptons sur toi Père. Laisse que le divin puisse prendre la prééminence dans cette réunion Père, et que tout esprit s'éteigne et que seul le Saint-Esprit puisse dire quelque chose. Toi tu nous as dit que tu nous parles à travers l'homme, c'est ça le programme que tu as établi. Alors utilise notre bien-aimé, parle à travers lui Seigneur, et laisse que tout ce qui se fera ici ne soit que toi et toi seul. Nous te dédions toutes choses au nom puissant de Jésus Christ. Amen. 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 Ok. Nous allons maintenant appeler le prédicateur. Allez, il est là-bas. Allez l'appeler. Oh, alléluia. Mais oh, oui, par l'Esprit, alléluia.
Jésus. Oh viens, viens. Oh oui, nous t'attendons. Alléluia. Mets la joie dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement? Seigneur Jésus, nous allons prier le Seigneur. Dieu bien-aimé, créateur de ces élateurs, nous te disons grandement merci pour ton amour qui nous a ramenés à cet endroit. Nous ne sommes pas venus faire le tourisme ce soir, mais nous savons que tu as dit, si quelqu'un abandonne ses occupations pour me suivre, je lui donnerai la vie éternelle. Accepte, Seigneur, notre adoration. Accepte nos acclamations. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Aie la prééminence au cours de ce service. Tu as dit en ce jour-là, nul n'enseignera son prochain. Tous seront enseignés par mon esprit. Que toute puissance contraire de cette grande divinité que tu as envoyée dans l'église en ces temps de la fin, nous la chassons au nom de Jésus-Christ. Que l'ange du Seigneur puisse être présent, sa présence parmi nous, c'est la guérison de nos maladies, c'est la délivrance de nos âmes. Bénis le prédicateur, bénis l'interprète, bénis ton serviteur, le pasteur Flavien. Bénis tous les officiers au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que vous êtes debout, nous prenons Josué 5. Je m'appelle le pasteur Oloire Wesley. Je ne suis pas dans à Kinshasa, dans la capitale, mais je suis dans la province de Bandundu. Ok. Josué, je dis chapitre 5, verset 2 à 4. Josué chapitre 5. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Pour gagner du temps, je saute verset 7. Ce sont leurs enfants qu'ils établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce que qu'on les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Neuf, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Que le Seigneur ajoute la bénédiction sur la lecture de sa parole.
Pendant que vous êtes assis, je vais lire dans Actes chapitre 7, verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Je remercie le pasteur Flavien à cause de son hospitalité de pouvoir m'accorder sa chair ce soir. Je ne crois pas dans de nouvelles choses. Je crois à l'évangile à l'ancien mode. L'évangile qui a été confié à William Aaron Branham. Le même évangile qui est prêché ici, Dieu de cette chair. Ok, le ministère ne se contredisent pas, mais le ministère se complète. Ok, amen. Je vais intituler ma leçon Josué et la nouvelle circoncision. Josué et la nouvelle circoncision. Frère Manam dit, le nom Josué signifie Jéhovah, il est notre sauveur. Et le Jéhovah de l'Ancien Testament, Abraham dit, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Josué n'était pas le fils d'un prophète. Josué a reçu la grâce du vivant de Moïse. Il soutenait les bras de Moïse. Lorsqu'Israël livrait une bataille, Josué ne faisait que soutenir ses mains. Et quand Moïse en est allé, Dieu a donné à Josué cette place-là pour continuer avec le peuple jusqu'à la terre promise. Le ministère de Josué, Branham dit, c'était la continuité du ministère de Moïse. Parce que Dieu lui avait dit, lève-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je leur donne. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Pour que tu réussisses dans tes entreprises, médite ce livre de la loi nuit et jour. Ne t'écarte ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Est-ce que je prêche à quelqu'un là-bas? Voilà, me dit, Josué avait reçu deux commissions. Sa première commission, c'était d'amener ou de faire entrer le peuple dans le pays de la promesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sa deuxième commission consistait à dispatcher le pays. Chaque tribu devait savoir sa place. Chaque tribu devait avoir un endroit. Et c'est ce que Josué a fait. C'est quoi, frère Nam dit, aujourd'hui, notre Josué, ce n'est pas un homme physique, et ce n'est pas un homme littéral. Notre Josué, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui partage le pays. Le message de William Branham, c'est le message d'adoption. Si quelqu'un croit le message, si réellement il a cru, il s'est répandu sincèrement, il s'est fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu sera obligé de lui donner le Saint-Esprit. Cela ne demande pas
20 ans, 30 ans dans le message. Une repentance sincère amène le Saint-Esprit dans le cœur. Oui, monsieur. Cela ne dépend ni de celui qui vit, ni de celui qui court. Mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Donc le ministère de William Branham, ou le message de Branham, c'était un message d'adoption. Je dois savoir qu'est-ce que je suis censé faire quand je suis entré dans le pays. Il y a 5 ministères. Il y a 9 dons spirituels. Il y a plusieurs manifestations de l'esprit dans le pays. Branham dit, quand Dieu te sauve, il ne te laissera pas oisif. Tu feras quelque chose dans le corps. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Amen. Tu feras quelque chose. Tu as un rôle à jouer. Amen. Parce que tu es dans l'école, tu fais partie de l'économie de Dieu. Je suis dans le message. Amen. L'adoption. Prêché 22 mai 1960. Au paragraphe 26. Maintenant, le but de cette leçon, ou le but de ces leçons, c'est d'ancrer ceux qui ont déjà traversé jusque dans le pays. Je crois qu'il y a ceux qui sont dans les pays déjà ce soir. Par le ministère du pasteur Flavien, ils sont entrés dans les pays. Ok. Voilà. Le but de cette étude de l'Épître aux Éphésiens, amen, c'est de placer l'Église dans sa position. Là où elle est, doit se tenir en Christ. Et cela est représenté sous forme du type dans l'Ancien Testament. Le livre des Éphésiens est comparable à celui de Josué. Ok, là où Josué avait fait le partage, nous avons vu ça le dimanche passé. Là où Josué avait fait le partage en donnant à chaque homme sa part dans le pays, et il avait fait par l'inspiration. Josué, quand il est entré avec le peuple, il appelait la tribu de Ruben, le né dans la famille de Jacob. Ta place ici. Simeon, ta place ici. Lévi, ta place ici. Judas, ta place ici. Zabulon, ta place ici. Issachar, ta place ici. Nephtali, Aser. Alléluia. Amen. Chacun avait connu sa place. Ok, c'est ce que Josué est en train de faire. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Et comme vous le savez, leur voyage avait 3 grandes étapes qui étaient l'Égypte, le désert et le pays promis, qui équivaut à la justification, sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Je suis là pour répéter le prophète. Dans le message, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Prêché le 11 septembre 1960. Ok. Au paragraphe 95 jusqu'à 100. Peu importe ce que vous pensez, Dieu a dit à Josué, dans 3 jours, vous traverserez, ou nous traverserons, et nous traverserons. Nous traverserons dans 3 jours. Observez ce que Josué a fait. Qu'est-ce qu'il a placé en premier? Les membres du clergé. Non, messieurs. Il a placé la parole en premier. Il a dit, prenez cette arche et vous les sacrificateurs, tenez-vous loin d'eux, allez derrière elle, n'essayez pas de la conduire, que ce soit elle qui vous conduise. Voilà le problème aujourd'hui dans la scène. Nous essayons de prendre de l'avance sur la parole et de la dépasser. Nous essayons d'adapter la parole à ceci, à cela. Que vos cœurs soient bénis, Église. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de suivre la parole. Vous voyez,
pour que Moïse fasse traverser le peuple et la mer rouge. Il a usé sa verge. Avec sa force musculaire, il a frappé les gens. Et le miracle s'est produit. Mais avec Josué, ce n'était pas la force naturelle. Il a dit sacrificateur, venez avec l'arche. Venez avec l'arche et placez-la ici jusqu'au bord et reculez, soyez derrière elle. Et il appelait les chantres. Les chantres ont commencé à chanter. L'Éternel des armées était descendu sur la scène. Il a opéré un miracle. Les eaux du Jourdain s'étaient séchées. Je suis au paragraphe 98. La parole est passée devant. Et lorsqu'elle est arrivée au Jourdain, elle l'a ouvert. Et ils ont traversé. Dans sa première campagne, il a pensé aux choses importantes d'abord. Il avait une raison pour cela. Il avait une raison parce que Dieu lui avait donné cet ordre. Reste avec la parole. Que la parole le fasse. À chaque campagne, ils avançaient dans la bataille parce que Dieu l'avait chargé de placer l'arche en premier. Après que l'arche s'est avancée, qu'est-ce qui s'avançait alors? Des chants, des joueurs, des instruments avant que le combat ait lieu. Alléluia! Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est que nous avons ce matin. Des chanteurs, des instruments, jouer de la musique, les régissants, dont il faut placer la parole en premier, lire la parole. Alors la bataille a été engagée. Nous sommes obligés de vaincre. Lorsque nous plaçons la parole en premier, nous sommes obligés de vaincre. Parce que cette parole, elle a vaincu Satan à chaque terrain. Nous devons recevoir toute la parole. Le secret d'une église, c'est de recevoir toute la parole et rester derrière ton pasteur qui est le conducteur de ton âme. La parole en premier lieu, ton pasteur reste la loi. Suivez les instructions. Branham dit, Jésus n'a jamais vaincu Satan avec une quelconque puissance. Il a vaincu par la parole. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Toi et moi, l'église en Dieu, nous vaincrons lorsque nous plaçons la parole en premier. Peu importe le nombre des occultistes de Brazzaville. Peu importe le nombre des sorciers du quartier. Ils tomberont de gauche à droite. Rien ne t'arrivera. Ne crée rien, petit troupeau. Car votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Notre juge, il est aussi notre avocat. Le secret de notre victoire, c'est de garder la parole. C'est pourquoi je crois de tout mon cœur que le ministère du pasteur Flavien, en quelque sorte, je dis en quelque sorte, c'est la continuité du ministère d'un serviteur de Dieu qui était ici. Que vous connaissez. Amen. Est-ce que quelqu'un cela croise avec moi? Amen. Oui, il est en train de conserver le même héritage. Le message du temps de la fin. Israël avait dit à Josué, pour que nous croyions que le Dieu de Moïse avec toi
C'est lorsque nous les verrons accomplir des prodiges. Oui, c'est la vérité. Ce Dieu-là n'était pas parti avec Moïse. Ce Dieu-là était resté avec Josué. Branham dit, même quand je m'en serais allé, cette colonne de feu restera dans l'église. Est-ce que vous le croyez? Je crois qu'elle est ici ce soir. Le Dieu du pasteur Diasivi, c'est le Dieu du pasteur Flavien. La même onction, c'est la continuité pour vous amener jusqu'à l'enlèvement. Le même Dieu qui avait agi à lui, il est le Dieu qui agit dans le présent. Aujourd'hui, c'est la rédemption au temps présent à travers le ministère de ton pasteur. Est-ce que crois-tu cela? Oui, c'est la vérité. Il a fait amener l'ange. On a établi l'ange près du Jourdain. Il a appelé les chants. Commencez, entonnez, entonnez. Ils ont chanté, ils ont chanté, ils ont chanté. Les chants ont une grande influence dans l'adoration. La colonne de feu était descendue et avait fait sécher les Jourdains. Ils ont traversé les Jourdains à sec. De même au temps de Moïse, ils ont traversé la mer Rouge à sec. Le même Dieu avec Josué a fait encore sécher les Jourdains. Il est le Dieu qui ne change pas. C'était des réjouissances. C'était des cris de joie. Remarquez, ce n'était plus une force naturelle. Les cantiques ont amené la présence surnaturelle. Il n'y avait pas de longues prières. Chanter a une grande signification dans l'adoration. Un homme dit, si quelqu'un n'aime pas chanter, adorer, il est suspect. Amen. Ils ont traversé à sec. Arrivé de l'autre côté, c'était des réjouissances. Ils jubilaient, ils criaient. Ils ont vu la gloire de Dieu. Je crois que c'est ce que vous avez vu ici dans cette église. On m'a dit que c'est une vieille église de Brazzaville. Je crois que vous êtes placé sur un bon fondement. S'il n'en était pas ici, je ne vous trouverai pas ici. Malgré la prolifération des églises dans la ville de Brazzaville, vous vous tenez bon. Vous êtes sur les rochers des âges. Jésus a dit, une maison qui est bâtie sur les rochers, même si la tempête s'écoule, le torrent peut venir, elle ne tombera jamais. Parce que l'architecte avait établi cette maison sur un roc. Que Dieu bénisse le ministère de votre pasteur. Je crois que je peux dégager, je sens déjà la présence du surnaturel. Remarquez de l'autre côté de la Jourdain. Et après ces réjouissances, des cris de joie, les gens titubés sont entrés en transe. Dieu va dire à Josué, ne suis pas tous ces cris, ne suis pas tous ces alléluia, ne suis pas tous ces gros amen. Circoncile le peuple une seconde fois. La plupart d'entre eux là-bas sont des incirconcis. Malgré tous ces cris que vous avez. Amen. Je suis vain. Oui, peuple d'Israël. Vous avez vu tout ce que Dieu a fait. Mais maintenant, ce Dieu-là de Moïse que vous cherchiez, il est là, vous l'avez vu. Maintenant, Dieu me dit, je dois circoncire le peuple d'Israël une seconde fois. Est-ce que vous y êtes? Amen. Malgré toute cette onction,
Il faut la circoncision. Malgré tous les miracles que vous avez vus, des démonstrations que vous avez vues, je dois vous circonciser. Amen. Le peuple est devenu calme. Pourquoi Dieu avait-il exigé une nouvelle circoncision? Je suis au verset 7, Josué, chapitre 5. Ok. Lorsqu'on y achevait de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Pourquoi une nouvelle circoncision? Après cela, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Malgré tout ce qu'ils ont vu là, l'opprobre de l'Égypte les accompagnait. Qu'est-ce que l'opprobre de l'Égypte? Les crimes des Égyptiens. Les crimes des Égyptiens. Naturellement, ils étaient sortis de l'Égypte, dit Frère Bana. Mais l'Égypte était dans leur cœur. C'est ce qui a mené beaucoup de troubles au cours de cet exode-là. Physiquement, ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte était dans leur cœur. Oh, peuple de Dieu, nous sommes sortis du monde, nous sommes sortis des dénominations, mais laissez la dénomination sortir de nous. Branham dit, le message ne deviendra jamais une organisation. Mais ce sont des individus qui deviendront eux-mêmes des dénominations. Parce que l'épouse, elle s'avance avec la nuit de gloire. Quand l'Esprit s'élève, oh, que ta force soit renouvelée. Est-ce que tu veux avancer avec la nuit de gloire? Aujourd'hui, c'était après la circoncision. J'ai roulé le problème de l'Égypte sur vous. Les anciens sont venus, étaient venus. Je souhaite même nous qui avons commencé dans le Mboukabateke. Oui. Même si vous avez vu Moïse, je dois vous circonciser. Les sacrificateurs sont venus avec des sacs de brochures, des ordinateurs, même nous. D'ailleurs, je vais commencer par vous. C'est vous qui amenez les troubles dans les camps. Est-ce que vous me suivez là-bas? Même s'il a vu la colonne de feu, qu'il soit circoncisé. Tout le monde commençait à reculer. Qui va commencer le premier? Après la circoncision. Oh, moi je crois que dans ces messages, il y a des anciens. Moi-même, je suis un ancien là où je suis. Avec ces petits ministères, j'ai 6 églises dans le là-bas. Je suis un ancien, je crois l'ancienneté. Mais qui est un ancien? C'est celui qui a une expérience définie dans la parole. Sa vie, son témoignage prouve à ceux qui ont cru après lui que écoutons-les. Il a un conseil, il peut nous donner un conseil.
Oui, monsieur. Ce n'est pas seulement l'âge chronologique. Un véritable ancien n'est pas agité, n'est pas balloté, n'est pas celui qui commence des agendas cachés contre les pasteurs. Ça, c'est une fausse expérience. Le véritable ancien, l'ancien du jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il entre en ton âme, avec ton âge chronologique, tu es appelé un ancien de l'église. Amen. Qu'il soit diacre, qu'il soit administrateur, circoncile. Est-ce que vous aimez cela? Même celle qui porte des longues jupes là, qui balaye toutes les rues de Brazzaville, qu'elle soit circoncise. J'ai vu des sœurs avec des longues jupes qui balayent les rues de Kinshasa et partout, même chez moi là. Les païens te diront, mais votre sœur là, je l'ai fait comme ça. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous n'êtes pas triste. Je crois que vous êtes le peuple de la pierre de l'homme. Je vous aime parce que Dieu vous a aimé avant la fondation du monde. Peut-être je suis venu ce soir pour deux âmes qui sont quelque part ici. Peut-être 10, peut-être 15, 20. Ils étaient sortis de l'Égypte. Mais l'Égypte était encore en eux. Aujourd'hui, je fais rouler l'opprobre de l'Égypte. Malgré qu'ils étaient au-delà du Jourdain, ou avant le Jourdain, les crimes les accompagnaient. Malgré tout ce qu'ils ont vu comme ça, ils ont mangé la manne, ils ont mangé des cailles, ils ont bu l'eau du rocher, mais l'Égypte était encore allée. Des crimes qui s'étaient commis, qui se commettaient en Égypte, les accompagnaient toujours. Les avortements sous coulisses, dans le camp, des petites choses comme cela. Regardez des images non censurées, la suie dans le téléphone. L'Égypte était encore là. Branham dit, ce que vous regardez, ce que vous entendez, a une grande influence dans votre âme. Si Dieu vient par le baptême du Saint-Esprit, circoncire ton âme, cela devient une saleté à tes yeux. Si tu aimes cela, tu as besoin de rencontrer Josué ce soir. Amen. Dans le message de la marque de Christ. Amen. Oh, merveilleux Jésus. Ok. La marque de Christ prêchée le 12 mars 55. 12 mars 55. Okay. Certaines personnes, paragraphe 21. Certaines personnes viennent à l'église pour les côtés émotionnels. Amen. Certaines personnes viennent à l'église juste pour chanter. Certaines personnes viennent à l'église juste pour se réjouir des bons cantiques. C'est très bien. Certaines personnes viennent à l'église et y adhèrent juste pour cacher leur méchanceté. Certaines personnes viennent à l'église avec sincérité. Ils se font dans l'évangile une réputation un peu meilleure. Certaines personnes viennent à l'église avec sincérité, mais ne sont jamais entrées en contact avec Dieu. Mais quand Dieu appelle un homme, nul ne peut venir à moi si le beau-père ne l'attire premièrement. Et je donnerai la vie éternelle à tous ceux qui, celui qui viendra à moi. Je les ressusciterai
au dernier jour. Oh, j'espère que vous comprenez cela. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui se révèle à l'individu, non sur base d'une émotion, non sur base d'une chose que vous devrez faire ou que vous ne devrez pas faire, ni de ceci, cela. Toutes ces choses sont en ordre. Les mouvements et les œuvres, les cris et les danses, et le parler en langue, toutes ces choses sont en ordre. Mais d'abord, ça doit être une révélation spirituelle. Alléluia. Amen. Certaines personnes viennent à l'église pour le côté émotionnel. Nous croyons à l'émotion. Nous croyons, Seigneur, à la danse en esprit. Nous croyons parler en langue. Nous croyons à la prophétie. Nous croyons à la guérison divine. Nous croyons à la vision au son. Nous croyons au don des miracles et tout qu'on sort. Mais ce qui va en premier lieu, ce n'est pas cela. Ce qui va en premier lieu, c'est la vie pratique de Jésus-Christ en toi. Est-ce que tu me suis là-bas? Oui, c'est la vie littérale de Jésus-Christ que tu mènes chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Alléluia. Amen. Le prophète dit, je ne suis pas venu bâtir les organisations, mais je suis venu pour construire les individus. Alléluia. Amen. C'est cela le but du message de William Branham. On ne vient pas dans l'église pour le côté émotionnel. Nous ne venons pas ici pour la danse. Nous ne venons pas ici pour ceci et cela. Nous venons pour recevoir la véritable expérience du baptême du Saint-Esprit. Car cette circoncision du cœur dont nous parlons, Branham dit, n'est rien d'autre que le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'il entre là-bas, c'est une expérience personnelle avec Dieu. Tu auras un témoignage. Branham dit, si Dieu te donne le Saint-Esprit, tu le sauras. Ton mari le saura. Ton pasteur le croira. Ton voisin dans le quartier témoignera. Tu as un témoignage. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Est-ce que quoi tu sais là? Comme cette sœur là aux États-Unis qui avait témoigné, je ne suis pas ce que je devrais être. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Tout ce que je sais, je ne suis plus ce que j'étais. Mon passé a été englouti dans le sang de l'agneau. Branham dit, que signifie la délivrance? Que signifie être pardonné? Alléluia. Amen. Être pardonné signifie Dieu a jeté tout ce que tu as fait dans la mer d'oubli. Il ne se souvient plus de ce. Mais maintenant, écoutez, il te donne le pouvoir de ne plus retomber encore dans les vieilles choses. Si tu continues, cela montre que tu tournes sur place. Tu ne progresses pas. Tu as besoin de rencontrer les grands Josué ce soir, le Saint-Esprit, pour circoncire ton cœur. Nous croyons toutes ces choses-là. Mais premièrement, c'est le royaume de Dieu, sa justice. Qu'est-ce que le Saint-Esprit prêchait le 16 décembre 1959 au paragraphe 30? Ok, la circoncision était type du Saint-Esprit. Dieu a donné à Abraham le signe de la circoncision. Après qu'il a accepté Dieu sur sa promesse et qu'il est parti dans un pays étranger. Oui. C'est ainsi. Et tous ses enfants et sa postérité après lui devaient avoir ce signe dans leur chair. Parce que c'est un signe distinctif.
Il servait à les distinguer à tous les autres peuples. C'est signe de la circoncision. Et c'est ce que Dieu utilise aujourd'hui. C'est le signe de la circoncision du cœur. Le Saint-Esprit qui fait de l'Église de Dieu une Église séparée de tous les autres credos, croyances et dénominations. Ils sont dans toutes ces dénominations, mais ils sont quand même un peuple à part. 31. Laissez-moi parler avec un homme 2 minutes. Je peux vous dire s'il a le Saint-Esprit ou pas. Vous le pouvez aussi. Ça le distingue. C'est une marque. Le Saint-Esprit, c'est une marque. Le Saint-Esprit, c'est un signe. Dans l'Ancien Testament, tout enfant qui refusait la circoncision, laquelle préfigurait le Saint-Esprit, était retranché du milieu du peuple. Il ne pouvait pas avoir communion avec le reste de l'assemblée s'il respirait d'être circoncis. Et bien, appliquez ça à aujourd'hui. Une personne qui refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit ne peut avoir aucune communion parmi ceux qui ont le Saint-Esprit. Alléluia. Vous ne pouvez pas, c'est tout. Vous devez être d'une autre. Quelqu'un qui refuse le baptême du Saint-Esprit n'a pas communion avec ceux qui en ont. Ça n'en va plus loin jusqu'à dire qu'il n'a même pas droit à la communion. Oui, monsieur. Fais comme cela, je continue. 32. C'est comme ma mère disait souvent, qui se ressemble, s'assemble. Eh bien, c'est un vieux proverbe, mais ça en est un vrai. Les colombes et les corbeaux, vous ne les voyez pas fraterniser. Ils ont une alimentation différente. Ils ont des habitudes différentes. Ils ont des désirs différents. C'est pareil entre le monde et un chrétien. Quand vous avez été circoncis par le Saint-Esprit, ce qui veut dire retrancher une chair. Le Saint-Esprit, c'est une marque. Le Saint-Esprit, c'est un signe. Lorsqu'il entre là, dans le cœur, il circoncit ton cœur. Il te donne une nouvelle nature. Il te donne une nouvelle révélation. L'amour de Dieu remplit ton cœur. L'humilité remplira ton cœur. Le pasteur n'aura plus besoin de te parler deux fois, une Amen. Fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Sur une petite chose. Tu n'as pas besoin qu'on puisse t'expliquer beaucoup de choses pour demander pardon à ton mari. Tu es une personne différente. Ton mari le saura. Ton pasteur le saura. Ton voisin aussi le saura. Quelque chose lui est arrivé. Le Saint-Esprit, c'est la circoncision du cœur. C'est quoi Dieu a dit à Josué? Malgré tout ce qu'ils ont vu là, la plupart d'entre eux sont de ces circoncis. Circoncis-les une seconde fois. Oh merveilleux Seigneur, j'aime la parole de Dieu. Oui monsieur, Jézabel au visage fardé. Ok. Paragraphe 35. Prêcher le 5 octobre 56. Paragraphe 35. Ils étaient étonnés. Elle était là. Il est entré d'un pas lourd dans le palais. Michel, donc il parle de Michel. Il a directement dépassé tous les gardes et autres. Il a parlé à Kab, lui pointant du doigt au visage, disant, même pas la rosée ne tombera du ciel, sinon à ma parole. Oh là là, pourquoi Dieu lui a parlé. Il avait la parole de Dieu. C'est pourquoi il n'avait pas peur. N'ayez pas peur, Église. Michel n'avait pas peur. Avec la parole de Dieu, nul homme n'a peur quand il a la parole de Dieu et la vision de Dieu qui va avec la parole. La raison pour laquelle Michée a pu condamner ses prophètes et leur dire qu'ils étaient en erreur,
Et qu'ils avaient l'esprit du diable, c'est qu'ils suivaient le monde. Et ils ne s'alignaient pas sur la parole. Dieu donne la vraie vision au prophète. La vraie vision aujourd'hui, c'est dans William Marie Branham. Les dénominations amènent tout droit le peuple dans le conseil œcuménique. La dénomination amène les gens à la marque de la bête. La vraie vision de Dieu, il donne cela au prophète. Pourquoi? Parce qu'Amos 3:7 dit: le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Je l'ai prêché là-bas chez nous, dans la province du Congo central, tout près d'un Kamba. Je leur ai dit: Simon Kimbang n'est pas un prophète de Dieu. Aujourd'hui, la vraie vision, c'est William Marion Branham. Simon Kimbang est venu avec un pagne, avec un balai. Oh, le Moïse, le premier prophète israélien, a dit: l'homme ne mettra jamais le vêtement d'une femme, et la femme ne mettra point le vêtement d'homme. Quiconque le fait est en abomination contre l'Éternel. Mais remarquez, William Marion Branham, le 6 avril 1909, la colonne de feu descend. Plus tard, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. J'aurai une œuvre à accomplir avec toi. La colonne de feu au-dessus de sa tête, la colonne de feu sur son épaule, la colonne de feu dans son cœur. Le chiffre 3, c'est la perfection. C'est pas nous avons les trois poules. Le premier poule, le deuxième poule, le troisième poule. Et je ne crois que le troisième poule est ici. Le troisième poule, c'est la foi de l'enlèvement. La troisième poule, c'est la présence de l'ange dans les temps. Sa présence ici, les malades sont guéris. Alléluia. Amen. Des grandes choses se produiront. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Nous marchons dans la lumière. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple spécial. Parce que nous avons reçu un prophète en qualité de prophète. Quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Alléluia. Amen. C'est quoi, moi je ne retournerai jamais dans les dénominations. Même si je chancelle, je me lèverai. Je continuerai à faire. Vers le but de la vocation céleste. Alléluia. Amen. Perdre une bataille, Branham dit, ne signifie pas perdre toute la guerre. Dans la guerre, dans une guerre, il y a des batailles. Là-bas au commencement, Branham dit, dans les dés de Dieu, Satan nous avait marqué un but. Parce que notre mère Ève n'a pas cru toute la parole. Mais au temps de la fin, au temps de la fin, dans les dés de Satan, l'ange puissant descend. Il entre dans l'église. Il agite l'eau. Ce n'est plus à toi et moi de combattre. Il a dit à moi la bataille, à vous la victoire. Tenez-vous tranquille. Sachez que je suis Dieu. Je crois que le Saint-Esprit, c'est mon héritage. Dieu m'a appelé ici parce qu'il veut me sceller. Il veut circoncire mon cœur. Gloire à Dieu. Acclamez très fort. Dans le message, les péchés impardonnables, prêchés le 24 mai. Octobre 54, paragraphe 151.
151. Si vous êtes réellement sauvé, ces choses arrivent automatiquement. Vous parlez à l'âme, vous pouvez crier, vous vous répondez. L'esprit, vous pouvez louer Dieu. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Lorsque les pasteurs voient quelque chose de faux, il dit, écoutez sœur ou frère, ça ce n'est pas correct. Soyez soumis. C'est vrai. Soyez soumis. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Souvenez-vous, vous mettez-vous simplement et dites, oh Dieu, pardonne-moi. Je ne voulais pas sortir des rangs. Vous voyez, je ne voulais pas sortir des rangs. Je suis prêt à à l'église et à continuer la marche. Et vous verrez une église marcher pour la gloire de Dieu. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Tout est en ordre, l'église est mise en ordre. Lorsque tu te soumets, tu t'humilies, Dieu te lève. Quiconque se lève sera baissé. Quiconque s'abaissera sera élevé. Le Saint-Esprit vient à toi par le canal de l'humilité. C'est par là que je m'arrête, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? Que Dieu bénisse richement le pasteur Wesley. Est-ce que vous avez été béni? Que cette circoncision-là soit faite dans nos vies. Nous allons adorer le Seigneur et nous allons prier. Je suis assoiffé, je suis disposé et assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend. Je suis disposé, je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende. Je suis disposé, je suis disposé. Assoiffé que ton onction. Je suis disposé, je suis disposé. Adore-le. Assoiffé de ton onction descend. Oh, je suis disposé, je suis disposé. Jésus, assoiffé. Je suis disposé, je suis disposé. Oh oui, assoiffé que ton sang descend. Oh, je suis disposé, je suis disposé. Alléluia, assoiffé. Je suis disposé. Oh oui, assoiffé de ton onction descend sur moi. Disposé, assoiffé. Je suis disposé.
je suis disposé à soif. Chacun de nous demande au Seigneur de circoncire son cœur. Prions tous le Seigneur. Merci Seigneur. Senti ton action est ici.
Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te remercions infiniment pour le serment de ce soir. Très capital, très vital, Seigneur, parce que la circoncision perd. Ô Dieu Tout-Puissant, c'est ça qui vient balayer en nous l'Égypte. C'est ça qui vient balayer en nous, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, tout ce qui est mal, toutes les mauvaises pensées, la haine, l'entêtement, Seigneur, la passivité, la paresse, Jésus-Christ notre Dieu. C'est ça, ô Dieu Tout-Puissant, qui vient faire dans le croyant,
qu'il devienne un véritable croyant. Qu'il ne marche plus en dents de scie. Aujourd'hui chrétien, demain païen, après demain chrétien. Parce que lorsque nous rentrons dans la Bible, nous voyons les disciples, malgré qu'ils te suivaient, malgré qu'ils écoutaient des puissants sermons, oh Dieu, en eux, il n'y avait pas la circoncision. Et on pouvait les voir et retourner dans le monde. Mais tu leur as dit, n'allez pas encore. Restez dans la chambre haute. Attendez le Saint-Esprit. Oh Dieu! Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'étaient plus les mêmes. On pouvait voir Pierre qui avait peur. Il n'avait plus peur. Seigneur notre Dieu, nous en avons besoin. Nous en avons besoin, Seigneur. Aujourd'hui, nous avons reçu le message. Un puissant message. Oh Dieu, nous avons reçu des dons dans des églises, des puissants dons. Seigneur notre Dieu, et nous recevons des puissants serments. Seigneur, il faut le Saint-Esprit pour vivifier en nous ces serments. Et puisque tu as parlé, Seigneur, cela dit, il y a le besoin quelque part. Seigneur notre Dieu, puisses-tu assouvir l'âme de ton fils. Le besoin se fait sentir. Tu ne parles pas en vain. L'homme qui a parlé, Seigneur, n'a pas un message. Il a médité, mais c'est toi qui l'as conduit. Seigneur notre Dieu, ce soir, inonde chacun de nous du véritable Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, d'une véritable circoncision sans laquelle l'enlèvement c'est de l'histoire. C'est ce Saint-Esprit qui va nous garder dans le message. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, il va nous garder dans le message. Parce que c'est dans le message que se produira l'enlèvement. Accorde cela, Seigneur. Inonde mon frère du Saint-Esprit. Inonde ma soeur du Saint-Esprit. Jésus-Christ notre Dieu. Pour que nous puissions plus marcher en dents de scie. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Et merci pour le vase que tu as utilisé. Notre prière ce soir est que tu puisses tonifier ce vase, qu'il soit encore utile dans les jours à venir, qu'il soit une grande bénédiction partout où il passera, Seigneur. N'oublie pas aussi notre pasteur. Nous les confions à toi. Conduis-le, Seigneur. Tonifie-le, Jésus. Et donne-lui davantage des inspirations pour notre bien. Bénis sa petite famille. Et bénis chacun de nous. Bénis le chemin des retours. Et loin des accidents. Et loin des pièges de l'ennemi. Gloire, honneur, puissance, louange te reviennent. Et à nous des bénédictions. À nous la guérison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Le Seigneur te bénisse.
Que Dieu soit loué. Est-ce que vous avez été béni? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Jésus pour la parole?